Bonjour à tout le monde. D'abord, je vous remercie d'être venu. On va aborder aujourd'hui un sujet dont on ne parle pas assez, je trouve, et qui crée des malaises épouvantables dans les églises. C'est les rapports qu'un chrétien peut avoir avec l'argent. Et particulièrement, je parle dans le cadre du business. J'ai fréquenté plusieurs églises évangéliques et j'ai toujours été frappé de ne pas y rencontrer des notaires, des avocats, des architectes, des médecins, des pharmaciens. Comme s'il y avait une espèce d'oukase, d'interdit sur ces gens. Et j'ai essayé de comprendre le pourquoi et de comprendre quelle était la volonté de Dieu. Et pour connaître la volonté de Dieu, il y a un moyen tout simple, c'est pour ça que j'ai pris mon iPad, c'est la Bible. Et c'est là qu'il faut chercher les réponses aux questions qu'on se pose. Ce qui a eu une très mauvaise influence, je pense, sur l'idée que l'on se faisait des hommes d'affaires, ça a été l'épisode où Jésus vient dans le temple. Il se fâche et il met les gens dehors en disant « Ma maison sera une maison de prière. » Il faut savoir qu'à l'époque, les gens qui se trouvaient dans le temple, d'abord normalement auraient dû se trouver à l'extérieur. Mais ils étaient là, c'était nécessaire. Pourquoi ? Les gens venaient confesser leurs péchés. Les sacrificateurs allaient faire des offrandes en fonction de l'importance du péché. Mais faire des offrandes, ça veut dire quoi? Ben, par exemple, on allait tuer un pigeon ou une tourterelle, ben, il fallait l'acheter. Malheureusement, avec le temps, on peut deviner que c'était devenu plutôt un commerce et qu'il y avait de moins en moins à voir avec les offrandes. Et c'est ce qui explique la colère de Jésus. Et c'est un peu sur ce principe qu'on a basé l'idée, l'argent, les affaires, le commerce n'a rien à faire dans la vie chrétienne. Et pourtant, si vous regardez la Bible, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas vrai. Mais avant de parler de ça, il faut se dire qu'il n'y a pas un même rapport à l'argent suivant l'endroit où vous êtes dans le monde. Je suis belge, mais la mentalité belge est la même que la mentalité française. Si vous gagnez plus d'une fois le SMIC en France, on vous regarde comme quelqu'un de pas normal, surtout pas très honnête, et il y a presque une interdiction de réussir en France. Si vous réussissez, vous ne pouvez être qu'un voyou. Aux États-Unis, c'est exactement l'inverse. Plus vous gagnez d'argent, et plus vous êtes apprécié. Un des cas les plus incroyables chez nous, vous avez des entreprises qui font faillite, et j'ai vu beaucoup d'entreprises faire faillite alors qu'elles n'avaient commis aucune faute. Je vais prendre un exemple, le jour où un président américain a décidé un embargo sur l'Irak. Moi, je me souviens, j'avais un ami qui vendait des appareils d'air conditionné. Il en avait commandé je ne sais combien qui étaient chez lui, prêts à livrer à l'équipe de Saddam Hussein. Et tout est resté chez lui en Belgique, et lui a déposé son bilan, il est tombé en faillite. Et une faillite, en Belgique ou en France, c'est avoir un panneau dans le dos sur lequel il est inscrit, suivant le cas, escroc, imbécile, bon à rien. C'est à peu près ça que ça veut dire. Alors que j'ai eu l'occasion d'assister à du recrutement aux États-Unis d'une grosse entreprise, et ça se passait à peu près comme ceci. Qu'avez-vous fait dans la vie? Ah ben voilà, moi j'ai monté une société, je vendais quel que soit le produit. Oui, et après, pourquoi avez-vous arrêté? Ben j'ai dû déposer mon bilan, j'ai fait faillite. Ah, très bien. Et après, qu'est-ce que vous avez fait?
Après, j'ai refait une deuxième société. Et puis là, je n'ai pas eu de chance parce que, pour une raison indépendante de ma volonté, j'ai fait faillite. Oui. Et chaque fois qu'on monte d'un cran, alors qu'en Belgique ou en France, on ne vous laisserait même plus la parole, c'est avec beaucoup d'attention que le recruteur écoute. Et il se dit, s'il a fait quatre faillites, il a quatre fois plus d'expérience que n'importe qui. C'est donc un type précieux qu'il faut engager. Et dans la vie de tous les jours, ça a été prouvé aux États-Unis. Il est un homme d'affaires, les gens ne savent pas ça en général, il est un homme d'affaires américain qui, à l'âge de 51 ans, avait fait 9 fois faillite. Imaginez en France, 9 fois faillite. Il y a longtemps qu'il serait au Baumettes à Marseille. Et ce type a dit, bon, mais je vais refaire une entreprise avec l'expérience que j'ai. Cette fois-ci, ça devrait marcher. Ça a pas mal marché, je dois dire. Ça s'appelait McDonald's. Voyez, M. McDonald's, avant de créer sa chaîne, avait fait 9 fois faillite. Et ça donne une idée de la différence de mentalité vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis des affaires entre les Américains et entre les Européens. Maintenant, il y a aussi une citation biblique quand Jésus dit, il sera plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. En fait, ça encourage les bons penseurs qui fréquentent nos églises à dire, voyez, vous avez la preuve, faut pas laisser entrer des gens qui gagnent leur vie. Et c'est comme ça que vous avez une véritable paupérisation des églises, parce que ben, les gens qui ont de l'argent, qu'ils gagnent parce qu'ils travaillent, tout simplement, qu'ils gagnent beaucoup parfois parce qu'ils travaillent beaucoup, ils ne peuvent pas entrer dans l'église. Ils sont mal vus. On les regarde comme si c'était des voleurs. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on les considère. Et pourtant, quand vous lisez la Bible, dans la Genèse, on dit que Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. On dit que Isaac moissonne au centuple et s'enrichit de plus en plus, jusqu'à devenir extrêmement riche. Ça, c'est dans Genèse 26, 13. L'abondance dans la Bible témoigne de la générosité de Dieu. Et à en croire la parabole des talents, Jésus n'a rien contre l'enrichissement, puisque il y fait l'éloge d'un serviteur à qui il a donné un talent. Il a donné un talent à 3 serviteurs, et le premier serviteur revient avec 10 talents. Donc c'est bien la preuve que cette idée d'argent qui est mal vu dans les églises, c'est une invention complètement humaine. C'est pas du tout, du tout, du tout ce que dit la Bible. Vous savez, il y a une autre façon de voir l'absurdité de ce raisonnement, c'est de voir par exemple l'histoire du roi Salomon. L'histoire du roi Salomon, il est devenu de plus en plus riche jusqu'à rassembler tous les éléments pour créer le temple, et je peux vous dire que comme construction, ça coûtait plus cher à construire que de construire l'Élysée. Il y a un autre cas qui est l'histoire de la veuve de Sarepta. Il y a Élisée qui vient près d'elle et qui lui demande, fais-moi une galette. Elle dit, je vais te faire une galette, et puis on la mangera, et puis on mourra, mon fils et moi. Parce qu'on n'a plus rien. Et il lui dit, va chercher des vases et remplis-les. Et tout le temps qu'elle va chercher des vases, les vases se remplissent et elle devient de plus en plus riche. Et un jour, elle n'a plus de vases et l'huile s'arrête de couler. Mais
de pauvre qu'elle était, elle est devenue riche. Tout ça sont des détails dans la Bible qui vous montrent que Dieu n'a rien contre la richesse. On va voir maintenant pourquoi y a-t-il un problème au niveau de l'argent ? Moi, je crois qu'il n'y a pas de problème au niveau de l'argent, il y a un problème au niveau de l'usage de l'argent. Il y a un problème au niveau de la façon dont vous considérez l'argent. Pour une fois, je vais sortir de la Bible et citer un proverbe français qui dit « L'argent est un bon serviteur, mais un très mauvais maître. » Et ça, si vous gagnez beaucoup d'argent, si dans n'importe quel cadre, mais particulièrement le cadre des affaires, vous voulez gagner un maximum d'argent, qu'avec ça, vous améliorez, il faut commencer par ça, vous améliorez le cadre de vie de vos employés, de vos ouvriers. Ça veut dire, par ce temps-ci, il y a de l'air conditionné. Si vous, au lieu de leur donner le SMIC, qui grosso modo représente juste de quoi ne pas crever de faim, si vous leur donnez deux fois le SMIC, et je vous parle en connaissance de cause, j'ai eu des entreprises, au moment de les vendre, les acheteurs me disaient, est-ce que tu te rends compte des salaires que tu payes ? Et je disais, oui, je me rends compte aussi de ce qu'ils donnent de leur vie. Et donc, je trouvais ça normal. À ce moment-là, viser de gagner beaucoup d'argent pour en faire ça, ça, c'est une bonne idée. Je vais vous prendre un autre exemple. Un jour, un Américain très connu, c'est pas John Wayne, se convertit, il va trouver son pasteur. Il lui dit, mais pasteur, si j'ai bien compris, j'ai lu la Bible, et la Bible attend de moi, Dieu attend de moi, que je donne 10% de mes revenus. Le pasteur dit, oui, 10% de tes revenus, 10% de ton temps aussi, 10% de certains de tes biens. Je ne sais pas, si t'as trop de pulls, tu peux donner un pull. Et l'homme répond, c'est ridicule. Moi, je vais donner 90%. Le pasteur était assez surpris. Cet homme a fondé une affaire que vous connaissez tous, qui est une des affaires les plus brillantes au monde, qui est Caterpillar. C'est le tourneau. Et il a réussi à faire une des plus belles affaires. Plus il donnait, plus il recevait. C'était assez incroyable à voir. Plus il donnait, plus il recevait. Il avait un château, il roulait en Rolls, il avait un chauffeur. Et il donnait 90% de ses revenus. Donc, l'argent est très bien, mais ça dépend ce que vous en faites. Et ça dépend aussi comment vous le considérez. Ce passage de la Bible qui dit « Ne vous attachez pas à l'argent, parce qu'on peut vous le voler, parce qu'il peut rouiller, parce que les vers peuvent le détruire, mais attachez-vous à ce qu'on ne pourra pas vous prendre et ce qui se trouve dans le royaume des cieux. Mais le jour où, avec votre argent, vous ouvrez une banque alimentaire, vous nourrissez des pauvres. Moi, je suis allé au Brésil, j'étais dans un hôpital soins palliatifs pour cancéreux, et ce n'était pas facile à voir, je vous assure. Et à un moment, en parlant avec les gens, je tourne la tête et je vois hôpital évangélique. Le type qui a mis son argent là, Dieu ne va jamais le critiquer parce qu'il a gagné beaucoup d'argent. Parce qu'il l'a utilisé de façon intelligente. Vous comprenez ? Et il faut faire attention, il faut casser toutes ces idées reçues, parce que vous chassez les gens, vous videz les églises, en ayant une attitude pareille. Ne jugez de rien, voyez un type qui arrive avec une belle Mercedes, une belle BM,
ou une belle Jaguar. Et alors, quel est son métier? Moi, je me souviens, je n'avais jamais eu de Jaguar. Un jour, je me suis retrouvé avec un associé exceptionnel qui s'appelait, c'est une femme, elle s'appelait Marie-Vincente. Et son nom, c'était Latécoère. Latécoère, en France, c'est les gens qui ont créé l'aéropostale. Donc c'est vraiment le père de l'histoire de l'aviation. Et elle m'a dit, mais on pourrait s'associer. On s'est associé. C'était il n'y a pas très longtemps. C'était avant que je ne commence mon ministère. On est resté associé pendant un an. Et un jour, elle m'a dit, voilà, il faut que tu ailles voir le patron d'Airbus, le patron d'Air France, etc. Mais il y a une chose qui me dérange chez toi. Je dis, ça y est, qu'est-ce que j'ai encore fait? Et elle m'a dit, la Jeep, ça ne le fait pas, quoi. Il faudrait que tu achètes une Jaguar. Je trouvais ça ridicule, mais je me suis dit, oui, c'est vrai que je pourrais aussi y aller en Jeep et en bottes avec un chapeau de chasseur. C'est peut-être mieux d'aller en Jaguar, quoi. Mais vous voyez, il ne faut pas juger les gens sur des choses comme ça. Je crois qu'il est beaucoup plus important de voir comment les gens utilisent leur argent pour aider des gens dans le besoin. Regardez dans les églises, moi je me souviens, j'étais dans une église depuis un an, et un jour je suis monté sur l'estrade, le pasteur ne savait pas ce que j'allais dire. Et j'ai dit, je vais vous demander une chose, regardez la personne qui était à votre droite et la personne qui est à votre gauche. Êtes-vous sûr que cette personne à manger à sa faim cette semaine? Ça, c'est une vraie question à se poser. Vous voyez, encore une fois, c'est ce que je disais hier. Dans les églises, on parle beaucoup d'amour, mais souvent, ils n'ont pas un échantillon à vous montrer. Et ça, il faut vraiment entrer dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est l'amour, c'est ça. Et puis, un des derniers points qui a fait beaucoup de tort aux relations des hommes d'affaires avec les églises, c'est ce fameux passage dans l'évangile de Matthieu, où il est écrit « Nul ne pourra servir Mammon et Dieu. Nul ne pourra servir deux dieux à la fois. » Mammon, pour tout le monde, c'est le dieu de l'argent. Et c'est faux. Le mot mammon en araméen, qui est cité 4-5 fois dans les évangiles, mais qui n'est cité qu'une fois dans l'Ancien Testament, voulait dire richesse, pas le dieu de la richesse. Et puis c'est devenu mammon, mais qui était attaché à un autre mot, qui voulait dire, la traduction c'était « mammon d'iniquité ». C'était les richesses malhonnêtement acquises. Hein, un bel exemple, vous en avez un, hein, Bercy, le ministère des Finances. Donc, vous avez l'argent malhonnêtement acquis et malhonnêtement utilisé. Si avec cet argent, ben, vous montez des réseaux du style la mafia, il faut savoir quand même que derrière les mafias, il y a les gouvernements. J'espère que vous n'en êtes pas au stade de croire ce qui se passe dans les films. Et là, ce n'est pas une plaisanterie, malheureusement. Regardez ce qui s'est passé avec le dernier gouvernement. Et dites-vous bien, demain, on peut prendre un gouvernement de droite, ça ne va pas changer grand-chose. Vous allez changer le bocal, mais c'est toujours les mêmes cornichons, hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. D'accord? Et donc, vous vous rendez compte que l'argent mal utilisé, Dieu n'en veut pas. L'argent mal acquis, Dieu n'en veut pas. Ce que Dieu veut, c'est que vous ayez l'argent, que vous le gagnez honnêtement, et que vous l'utilisiez honnêtement. Je vais prendre un exemple, et après j'en terminerai, parce que je crois qu'on arrive à peu près au bout. J'ai travaillé pendant 40 ans dans ma vie, et quand j'ai eu mon
deuxième accident, puisque le premier c'était en 89, on m'avait opéré à cœur ouvert. Le deuxième a été beaucoup plus grave, je suis resté dans le coma. Et quand je me suis réveillé, le temps que j'atterrisse, j'avais tout perdu. J'avais 11 magasins, j'avais tout perdu. 40 ans d'une vie. Bon, ben voilà. Et un jour, le Seigneur m'a donné un ministère. Et il m'a dit, tu ne t'inquiètes pas. Je vais m'occuper de toi et je vais m'occuper du matériel. Je trouvais ça très, très étonnant. Et puis un homme est venu me trouver, un chrétien, et m'a dit, voilà, c'est Dieu qui m'a dit de venir vous trouver. J'ai inventé un produit qui a été breveté pour cacher les nœuds des chaussures. Vous savez que les jeunes qui ont des chaussures de sport, en général, ne font pas leurs nœuds. Ils mettent les lacets sur le côté, enfin, ils font tout pour ne pas faire leurs nœuds. Et lui a inventé le brevet. Il me l'a montré. Et aujourd'hui, on a créé une société qui va créer des richesses, mais de façon invraisemblable, parce qu'on vend plus de 5 milliards 200 millions de paires de chaussures par an dans les pays civilisés. Donc vous imaginez. Et nous nous sommes réunis à 5. Et cet argent ira à l'œuvre, c'est-à-dire aux églises, aux gens dans les églises, aux banques alimentaires, aux banques vestimentaires, aux salles de réunion où on peut donner des enseignements, à acheter du matériel pour des églises très 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 pauvres, leur donner les moyens d'acheter un air conditionné. Et voilà un peu quel est le but. Le Seigneur est prêt à vous couvrir d'argent s'il sait ce que vous allez en faire. Et je dis souvent, et je terminerai par là, je dis souvent, il ne faut pas faire l'erreur. Vous avez 1100 euros par mois et vous vous rendez compte qu'avec votre mari et deux enfants, vous n'y arrivez pas. Et j'ai déjà entendu des prières, « Seigneur, je te prie, pour avoir 1200 euros par mois. » Alors là, ça serait bien. J'ai jamais fait une prière comme ça. Ouais. Seigneur, je te prie pour avoir 30 000 euros par mois. Et vous allez me dire, si tu vas faire 30 000 euros, tu vas t'acheter une Mercedes. Non, je vais pouvoir aider les autres. Tout simplement. Vous ne recevez pas. Parce que vous ne demandez pas, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Je vous remercie de votre attention.